Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons encore voir à quatre situations un peu compliquées où les deux parties veulent échanger les dames, l'un avec raison, l'autre a tort. Donc, ils ont joué. C'est une partie de Capablanca contre Bogoliubov. C'est joué à Londres en 1922. Donc, le 4 est 5, Cavalier F3, Cavalier C6, Fou B5, c'est un espagnol, hein. A6, Fou A4, Cavalier F6, Roc, Fou E7, Tour E1, B5, Fou B3, D6, C3, Roc, D4, E prend D4, C prend D4, Fou G4, Fou E3, Cavalier A5, Fou C2, Cavalier C4, Fou C1, C5, B3, Cavalier A5, Fou B2, Cavalier C6, D5, Cavalier B4, Cavalier D2, Cavalier prend C2, Dame prend C2, Tour E8, Dame D3, H6, Cavalier F1, Cavalier D7, H3. Alors jusqu'ici, tout s'était bien déroulé, mais ici, les Noirs ont joué Fou H5. Ce coup est erroné. Nettement mieux, et Fou prend F3, et après, Dame prend F3, Fou F6, pour échanger ce Fou dangereux. Ils ont joué Fou H5, un coup assez étrange. Cavalier D2, Fou F6, Fou prend F6, Dame prend F6, A4, C4, B prend C4, Cavalier C5, Dame E3, B prend A4, F4, un très bon coup, Dame E7, G4, Fou G6, F5, Fou H7, Cavalier G3, Dame E5, Roi G2, Tour B8, Tour B1. Ici, Tour B2 aurait été un très bon coup. Mais ils ont joué F6, qui n'est pas en soi forcément mauvais. Hein. Cavalier F3, Tour B2, échec. Tour prend B2. Dame prend B2, échec. Tour E2, Dame B3. Alors, ici, par leur dernier coup, celui-là, les Noirs montrent clairement qu'ils sont tentés par l'échange des dames. Leur motif, un pion passé et une forte position du cavalier à l'aile dame. Mais par leur prochain coup, les Blancs témoigneront de la même intention. Leur motif, c'est le Fou H7 qui est complètement enfermé. La suite de la partie va montrer qui a eu raison. Cavalier D4, un très bon coup. Alors, accepter le sacrifice du pion n'est pas bon. Après, Dame prend C4. Dame prend C4. Alors, certainement pas Tour C2, parce qu'alors, Dame prend D5. Et le pion étant cloué,
Et après, cavalier E6, c'est tour prend E6, tout simplement. Donc, cavalier E6 tout de suite. Tour B8, la bonne défense. Cavalier prend C5. D prend C5. Tour D2. Tour B3. Et dame F2. Et les blancs, avec leur pion passé, sont gagnants. Alors que les noirs auront beaucoup plus difficile pour faire passer leur propre pion. Donc, revenons à la position. Donc après cavalier D4, donc les noirs ont joué, n'ont pas accepté le sacrifice de pion et ont pris la dame. Dame prend E3, tour prend E3, tour B8, tour C3, roi F7, roi F3, tour B2, cavalier E2, fou G8, donc ils essayent de sortir leur fou. Cavalier E6, très bon coup. Impossible maintenant, et cavalier prend E4. Parce qu'alors, roi prend E4, tour prend E2, échec, mais roi D4, tout simplement. Avec un gain alors très facile. Donc, cavalier B3. C5, D prend C5, C5 très bon coup, D prend C5, cavalier prend C5, cavalier D2, échec, roi F2, ici les noirs auraient dû jouer cavalier B1 qui était meilleur, mais ils ont joué roi E7, roi E1, cavalier B1, maintenant le bon coup. Tour D3. Et A3. Et ça, c'est une erreur. Roi D6, maintenant, aurait permis de bloquer le pion passé, de menacer le cavalier. Il aurait donné des chances de nul. Mais après A3, les blancs vont gagner rapidement. D6, échec. Roi D8. Et cavalier D4. Le bon coup. Tour B6, cavalier E6, échec, fou prend E6, et F prend E6, tour B8, E7, échec, roi E8, et cavalier prend A6. Et là, les noirs ont abandonné. Parce que la tour n'a pas de retraite valable. Par exemple, sur tour A8, alors simplement le. Comment ? Sur tour A8, pardon, ou sur tour B7, alors simplement cavalier C7, échec, et les blancs gagnent immédiatement. Et sur A2, alors. Simplement, cavalier prend B8. Et les noirs sont cuits parce que ils peuvent sans doute faire une dame, mais les blancs vont faire échec, puis à nouveau dame, c'est cuit, cuit, cuit. Alors, ce n'est pas seulement lors de l'échange de la pièce la plus forte, la dame, que se présentent des problèmes stratégiques compliqués. C'est également le cas pour l'échange des autres pièces. Donc il sert poursuit parfois un but tactique, élimination d'une pièce importante pour la défense ou pour l'attaque, mais il se présente également comme facteur stratégique important. Alors on est déjà familiarisé avec quelques exemples que nous avons vus pour les pièces légères, les cavaliers et les fous. Déjà là, on a pu constater qu'il faut toujours essayer d'échanger les pièces adverses bien placées contre les siennes propres qui sont moins actives. Par exemple, le bon fou adverse
contre son propre mauvais fou. L'échange inverse est presque toujours une grave erreur positionnelle. Il arrive souvent dans des parties où l'un des adversaires vise la nulle par des échanges et fait de fait des échanges inappropriés. Nous en verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.